Ce n'est encore pas cette année que le prince Charles célébrera l'anniversaire de son petit-fils. Jeudi 6 mai, la famille royale britannique fête l'anniversaire du petit Archie Mountbatten qui fête ses 2 ans. Et pour l'occasion, les Windsor n'ont pas manqué de lui adresser de tendres messages, comme Elizabeth II ou encore Kate Middleton et le prince William qui se sont fendus d'une déclaration très chaleureuse. Même le prince Charles n'a pas oublié le petit garçon qu'il n'a pas vu depuis plusieurs mois, mais à qui il a fait un joli clin d'œil pour son anniversaire. Joyeux anniversaire à Archie qui fête ses 2 ans aujourd'hui, a ainsi écrit le père du prince Harry en légende d'une magnifique photo en noir et blanc, prise le jour du baptême du fils du duc et de la duchesse de Sussex. Sur ce cliché, on voit ainsi le mari de Meghan Markle porter le petit garçon, tandis que le prince Charles se tient à ses côtés. Pour le moment, on ignore si le prince héritier aura l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à son petit-fils en direct via Zoom, comme risque de le faire pour sa part Elizabeth II. Le prince Charles, un grand-père malheureux depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry pour les États-Unis, le prince Charles est un grand-père quelque peu malheureux, lui n'a pas revu son petit-fils depuis maintenant plusieurs mois. Malgré la distance, le couple Sussex entretient régulièrement le lien avec la famille royale via des appels vidéo, comme ce fut le cas en septembre dernier lorsque le prince Charles avait appelé son fils Harry, et reçu la belle surprise de se faire appeler par, diminutif de grand-pa, grand-père, note de la rédaction, par Archie. Lors des retours du duc de Sussex en Grande-Bretagne, comme lors de ses derniers engagements royaux et les obsèques du prince Philippe, il était venu sans le petit garçon, qui n'a pas pu retourner au Royaume-Uni notamment à cause de la pandémie de Covid-19.